Par où commencer avec OpenStack? Ben, c'est assez simple. OpenStack, aujourd'hui, c'est de la virtualisation, donc on a bien compris. Le meilleur environnement pour travailler sur OpenStack, aujourd'hui, c'est vraiment l'environnement Linux. C'est-à-dire déjà, si vous avez aujourd'hui des environnements Linux d'une certaine taille, ou même à partir de 5 serveurs, pourquoi utiliser un autre outil qu'un outil comme OpenStack, open source, pour piloter vos environnements libres? Ça, c'est Linux, ça c'est vraiment important, et libre en général. Donc ça, c'est le plus facile, migrer des serveurs Linux sous OpenStack. OpenStack est fait par le monde des gens de Linux, pour Linux, par Linux. Il n'y a pas de problème. La deuxième solution, ça sera vraiment pour les développeurs. Vous développez, vous faites du Java, du PHP, du Python, en fait, tous les langages qui vont nécessiter des environnements Linux généralement ou des environnements comme ça. Ben là, c'est très facilement, vous allez pouvoir migrer ces environnements sous OpenStack. Et surtout, vous allez offrir un niveau de service beaucoup plus élevé avec OpenStack que vous le feriez avec VMware ou avec d'autres produits de virtualisation, Proxmox, Rev. À tel point qu'aujourd'hui, VMware vous propose de pouvoir installer OpenStack sur VMware pour rendre des services. Et l'idée vraiment dans OpenStack, c'est infrastructure service. Donc on va vraiment essayer d'articuler un maximum de services vers l'utilisateur. Et nous, en maintenant et en gérant notre infrastructure physique avec des critères propres à l'infrastructure.